Salut tout le monde, lors d'une précédente vidéo, l'ami PH de la chaîne Le Point Genius m'avait commandé une musique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici. Eh bah figurez-vous qu'il a réitéré. Il m'a demandé une deuxième musique pour sa prochaine vidéo, c'est ce qu'on va voir cette semaine, c'est parti. Alors, comment vous dire, ça va être une musique humoristique parce que, clairement, il m'a demandé de reproduire la musique de James Bond, mais il m'a donné un modèle. Je vous montre. PH, t'es cinglé, mon gars. Ok, la commande est claire, hein, il veut un générique de James Bond. Je pense qu'il va faire les trucs avec les flingues, là, mais tout pété. Alors en réfléchissant, il y a plusieurs thèmes de James Bond à explorer. Je pense que je vais faire un petit mix de tout ça, de 30 secondes à peu près. Il y a évidemment cette intro de trompette que je vais utiliser. Après, je pense que je vais reproduire exactement à l'identique ce truc de corde qu'on entend là, avec ce qu'on appelle une montée chromatique. Ça. Voilà. Ensuite, il y a le param param bararam. Je pense que ça je le ferai de façon ridicule par-dessus ces cordes qui se tiennent. Voilà, donc je vais reproduire tout ça pour faire ma base. Et après, je m'amuserai par-dessus. Ok, on va commencer avec cette fameuse montée chromatique typique James Bond. Et puis on va tout construire autour de ça. Je vais faire ça avec des violoncelles. Ok, et ensuite la quinte, fondamentale, tierce, quinte, le secret de la réussite. On va le doubler mais que au deuxième tour, donc ça on laisse passer, et on arrive ici. Alors, qu'est-ce que ça donne sans le clic? Ah, c'est pas ensemble. Alors, les basses, bah, ça va être des contrebasses en pizzicato, hein, c'est pas très compliqué. Et qui vont suivre les montées chromatiques du thème de base de James Bond. Donc ça va faire... Ok, on va faire un tambourin sur toutes les doubles croches et une cymbale sur tous les temps. Et je pense qu'avec ça, on aura tout ce qu'il faut. Alors, des instruments ridicules, en veux-tu, en voilà, on va faire les trompettes avec un kazoo. C'est pas possible, t'as pas honte? Il reste un thème que j'ai pas utilisé de James Bond qui est... Et ça, j'ai bien envie d'essayer de le faire jouer avec un steel drum. Je sais pas si vous voyez, c'est une petite percussion qui fait des bruits des îles un peu. Ça fera complètement venu de nulle part, sorti de l'espace. Enfin, ça a rien à voir avec la musique de James Bond. Bon, regarde, regarde ça. Ça, si c'est pas ridicule. Écoute ça. Voilà, du coup, j'enregistre ça par-dessus, ça va être, je pense, assez drôle. Ta-da, ta-da, ta-da.
Je me suis trompé, je crois que j'adore. C'est genre le mec, il n'arrive même pas à jouer. En fait, je vais garder comme ça, c'est parfait. C'est genre le mec, il se plante complètement à la fin. Bon, je vais lui envoyer ça, on verra ce qu'il dit. En tout cas, genre, pleure de rire. Ça me fait marrer. Je suis vraiment un gamin.